vous positionnez-vous aujourd'hui sur la crise migratoire qui est, rappelons-le, mondiale? Ouïghours, Syriens, Ukrainiens, j'en passe et des meilleurs, ils semblent tous vouloir venir au Groland. C'est normal d'être inquiet. Dois-je le rappeler? Le Groland a toujours été une terre d'accueil. Oui, mais concrètement... Personne n'en veut? Nous les prendrons. Nos voisins français et ceux de l'ONU mettront la main à la poche. Ce qui me permet de vous annoncer que chaque Grolandais qui accueillera un migrant recevra une compensation financière. Non mais tu te rends compte? Avec le nombre d'emplacements vides qu'on a au camping, on est riche, on est... Alors, c'est pas du concret, ça? Non, mais t'es sûr qu'il y a des migrants par ici? Il y a le permis Michon qu'on a vu ce matin en allant aux champignons. Il paraît qu'il y en a plein qui se cachent. T'es là! Mais attendez! Mais on peut vous aider! Ils sont cons, quoi! Mais on peut vous aider! 3, 4, 5 gagnés au Groland. 56, 57, 58, 59, 60. Voilà, pas plus que 60 parce qu'après ça fait trop. Bon, alors si vous avez besoin de vous laver, vous avez les sanitaires qui sont au centre du camping là-bas. Ok? Bon, allez. J'ai encore le temps d'aller rechercher notre. Dis donc, ton truc à la con là, sur l'accueil des migrants, ça nous a fait perdre pas mal de points, hein? Ah. Me dis pas, tu les as pas déjà installés? Mais je viens juste de... Pourquoi? Regarde. Notre pays ne doit pas accueillir toute la misère du monde. Messieurs les migrants et mesdames les migrantes, il n'y a pas de place pour vous au Groland. Et je serai d'une fermeté exemplaire sur ce point. Merde. Merde. Toi, nettoyez, merde. Merde.